divers quartiers côté gang Axamio a pas traqué population quoi Solino tabar 27 et même tabar 25 puisque hier soir nous apprenons un pile coup de zam tiré dans zone ça et bandio continuer à opérer malgré intervention la police nationale d'Haïti. Après rejoindre Jean-Georges Blaise pour reportage ça côté habitant Solino tabar 27 à plusieurs autres coins dans zone métropolitaine Port-au-Prince là connaît ayant situation difficile pendant tout week-end à cause rafale coup de zam qui la cause en pile famille obligé courir quitter la caillou dans zone sayo il y a cette action qui fait habitant Solino tabac voyez en pile mauvais parole contre autorité en place qui selon yo pas réglé en rien sérieux en plus yo croit communauté internationale là pas innocent dans toutes des zones sayo qui gagnent dans pays on a suivi un reportage avec collaborateur nous Jean-Georges Blaise. Balle cap tiré. C'est Moun Solino, tabac 27, qui pa gen dormi la nuit comme la journée, avec la picou de balle qui mettait yon bon lot quartier dans la région métropolitaine Port-au-Prince en tête en bas depuis journée 17 octobre. La. Qui donc, théoriste semblait fin carré déclarer population la guerre. Et malgré présence force multinationale là, en pile moun considéré comme une équipe étrangère qui en vacances par bon ici. Alors que, à tout faire exam, dans la coalition Vive Ensemble, qui m'a déchaîné ni dans la capitale là, quitte dans le département la Tibonite là, et bien continue à boire sans peuple là, côté, moun ponsonde, sauf qu'on est yon journée noire, ak bandi sa vie qui massacre pour piti 70 chrétiens vivants dans le jour qui sont passé là. Où est ça? Et qui sa population fait la payer? Et qui sac la cause autorité par bon ici pour qu'on voit nécessité pour mettre l'ordre dans des ordres, garantir l'ordre et sécurité sur le territoire? Ces questions, habitants Solino, qui passaient un mauvais week-end, si nous croyons, M. Sa, nous prenons le temps là, qui considère ça qui a passé là comme un véritable complot. Journaliste étranger qui vient côté opération, a mené à faire une interview. Et dès que le journaliste américain a venu dans l'espace là, département d'État ou bien ambassade américaine ou obligé qu'on relaye la police pour soucier ces opérations. Et après dernièrement, la police a mené une belle opération. Bon journaliste étranger qui vient en bas d'Elma, qui vient avec interviewer monsieur. Bon là, nous sentons que c'est un complot, dit clair. Et on n'a pas besoin qu'on écrit pour ça qu'a fait là son complot. Et bandit ça vient sermenter 77 fois, 7 fois, pour faire d'appuyer sur quartier Solino. Qui a bataillé longtemps avec malfaiteurs, côté la police, ensemble avec contingent Kenya, te mette tête ensemble, se mette qui saute passe là, pour repousser à tout faire examen, qui malgré tout, tourne à force dans le quartier Sahara, si nous croyons habitants Solino. Yon bon monde, ta recevoir balle parmi yo, yon ti demoiselle qui prend balle marron, la Kaili, selon témoignage, même citoyen ça, qui fait qu'on est, c'est tout quartier aux alentours qui te en bas chaleur. Donc il a fait attaque sur Consolino comme ça, il a tout attaqué base boy là. Non façon pour mettre boy dans situation pour boy pas qu'à venir porter renfort pour pas mettre l'en haut. Et il fait ça de même pour base Simoa tout. Là il a fait attaque sur Consolino, toujours attaqué ni base boy là ni base Simoa en façon pour ne pas gagner renfort ça arriver à temps. Et parce que Consolino toute zone qui avoisine dans tio, l'homme prend Delma 30 de Crissoa, mon la lu, mon ça gon paquet qui victime pas des balles perdues. Et déclaration ça yo pas dépamment avec parole, moun taba, qui te en bas chalet, vive ensemble dans tout. Et qui motivation, malfecte sa yo, qui prend yon malin plaisir, nan sassine moun, boulekay, Jean Zak sa yo enregistré dans divers quartiers. En tout cas, ses réactions, Bolivar Janderson, comme moun nan communauté sa, qui non seulement dénonce passivité, autorité pa bo isit, mais tout, longe douette, sous communauté internationale là, dit quoi qui pas ta innocent dans toutes des autres ça yo. Bolivar Janderson. Et tabac, j'ai perdu. Et tout ensemble de tabac, parce que tabac 27, c'est zone qui mène Gérald Bataille, qui mène Café Florio, qui mène dans tout Axpo à l'école des bouquets. Bon, malheureusement, depuis 10 octobre, eh bien, population lui-même est aux abois.
c'est la quantité de déplacés qui augmentait parmi chiffres déjà qui déplacés non seulement sur la ville là, déjà nous connaissons dans Solino, nous connaissons dans Woodfrère, nous connaissons dans Gantier, à Carrière, Gantier, ainsi de suite. Mais je dis à la population, vu avec labyrinthe insécurité, eh bien, tabac vient de gouloir. À qui une situation comme ça, personne ne connaît qui côté garde. Non seulement face avec mode dirigeant dans l'État, ça considéré comme une équipe foube, mais tout à qui une communauté internationale qui continue à passer toute une population en bêtise, 4 mois après rentrer force multinationale là, côté en pile question à poser. Sous vraie mission, mission MMS là, qui paye-t-il il jusqu'à maintenant. Mais je vive! Mais je vive! Nous ne pouvons pas tout nous pile, nous flatter, nous avons travaillé pour blanc. Tout ça blanc, dit nous, nous acceptons. Nous ne pouvons pas nous Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM.